tout le monde, alors ce week-end je vais aller au Sephora pour me procurer les produits de la marque Ariana, Beauty Fenty. Donc je commence avec le highlighter Trophy Wife. Donc j'ai aussi pris un fond de teint et ma teinte c'est le 430. Et pour finir, j'ai aussi pris le gloss Fenty Glow. Donc je commence avec mes yeux, comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai déjà fait mes sourcils et mis mes bases. Donc ce sera le fard NYX HS75 LOL et je l'applique de l'extérieur vers l'intérieur. J'applique ensuite mon fard noir de chez NYX, HS34 Raven Corbeau. Donc je l'applique sur les extrémités. Je ne touche pas le milieu, juste au-dessus. Je passe sur le coin et au-dessus, mais je laisse un blanc au milieu. Donc je fais la même chose sur l'autre œil. Donc n'ayez pas peur d'appliquer du fard noir, on peut y aller. Donc j'applique maintenant le highlight sur mes yeux. Donc j'applique là où j'ai laissé le blanc, c'est-à-dire le centre. Jaune doré et on a même l'impression sur l'œil que c'est des paillettes, donner l'impression de paillettes quand on l'applique sur l'œil. Donc franchement elle est très pigmentée, ce serait même plus un fard, enfin ça dépend du pinceau avec lequel on applique, mais il fait aussi fard. En tout cas je suis vraiment pas déçue du highlighter parce que il fait highlighter et fard à paupières, donc franchement c'est top. Donc j'applique maintenant mon fond de teint. Déjà tellement de couleurs que j'avais même pas quel teint je pouvais prendre. Parce que franchement on a le choix. Sur ce coup-là on a le choix. Donc ce qui est bien c'est que j'ai pris ma couleur. Et en tout cas il est très léger. Il est très léger et il sent bon. Et franchement on a l'impression qu'on met rien sur soi parce que j'avais même pas l'impression d'avoir un fond de teint. Il est pas du tout lourd. Il est très léger, il sent bon. J'applique ensuite mon anti-cerne et les gueules. Je prends ensuite ma Buttercup Setting Powder de chez Sacha. Pardon. Donc je préfère vraiment le Sacha que la Banana parce qu'il me rend vraiment pas du tout blanche sur les photos avec flash. Comparé d'Adama, je ressors comme un fantôme dessus. Et donc là, j'applique ma poudre plus foncée de chez Adobe. Numéro 8, elle, 29, 18. J'ai fait le contour de mes lèvres avec mon crayon dark brown de chez NYX et j'ai ensuite mis par-dessus le gloss de chez Fenty Beauty. Donc j'adore la texture, il sent hyper bon et il n'est pas du tout collant. Vous savez comme les gloss, ils collent pas ils collent pas du tout en fait. Voilà, donc j'estompe ensuite. Ensuite, j'applique ma poudre de chez MAC, donc la Dark Deep en Mineralize Killing Finish. Ensuite, j'applique mon crayon noir de chez NYX, en dessous des yeux.
J'applique ensuite mon mascara de chez P2, 5D Star Mascara. J'applique ensuite mon blush de ma palette de chez BH Cosmetics, donc je vous mettrai le nom de la palette. Pour finir, je mets le fameux highlighter de chez Fenty Beauty Trophy Wife. Donc j'ai appliqué avec un pinceau éventail, mais je trouvais que ça partait trop, enfin qu'il s'estompait trop pour un highlighter, donc j'ai choisi de prendre un autre pinceau. Mais bon, pas l'estomper, il faut le travailler en fait, voilà, il faut le travailler. Je vais me mettre sur l'arête de mon nez, voilà. Donc voilà mon look, et j'en ai aussi mis du highlight dans le coin de l'œil, en off. Donc voilà mon look. Donc merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner et de vous aimer. Bisous.